Rebonsoir les amis, bienvenue pour la vidéo duel avec Xavier. Alors désolé dans la vidéo du quintet, hein, je vous ai dit à demain. Voilà, j'avais oublié, enfin j'avais pensé, mais vraiment là où j'ai appuyé sur le bouton, qu'il fallait que je fasse la vidéo duel avec mon ami Xavier. Alors aujourd'hui match nul, toujours un partout. On va attaquer le quatrième jour, ce sera le jeudi 3 novembre à Vincennes, Réunion, à course 1, 2700 mètres. Départ en l'air 13h50, il y aura 16 partants. Alors, pour ce duel, on vous a fait un quintet, 3 bases, 6 chevaux derrière. Voilà. Alors, je vous ai mis moi le 11, Fée de Rangeval, de Mathieu Abrivard. Le 3, Étoile de Kenny, de David Thomas. Le 8, Follet Buissonnet, d'Anthony Barrier. Donc, mes bases, 11, 3 et 8. En champ réduit, les chevaux de complément, je vous ai mis le 2, Fragonardello, de Mautier. Je vous ai mis le 9, Fighter Smart, de Guelpa. Je vous ai mis le 4, Falco d'Avaroche, d'Éric Raffin. Le 5, Flower by Magalou, de Viels. Le 7, Ezzalio Smart, de François Lagadec. Et je vous ai mis le 12, Elliot Dambry, d'Alexandre Abrivard. Si vous voulez rajouter un canon partant, mettez le 1, El Santo au fort, de Christian-Georges Bijoux. Donc je répète le ticket du quintet, 11, 3, 8 en base. En chevaux de complément, le 2, le 9, le 4, le 5, le 7 et le 12. Et mettez un canon partant, on ne sait jamais, vous mettez le 1. Bon les amis, en tout cas, très bon duel avec Xavier, quatrième jour, un partout, dans cette dernière semaine de la belle. Donc un match très serré, hein. J'espère que ce sera autant serré jusqu'à dimanche, hein, pour qu'il y ait un peu de suspense. En tout cas, il y en a eu, hein, ces deux dernières semaines. On a eu énormément de messages comme quoi vous aimez bien ce petit jeu, même si vous ne faites pas entre guillemets nos jeux. Voilà, c'est au moins c'est un match palpitant, hein, comme un match de foot où jusqu'aux prolongations on veut savoir qui va gagner. En tout cas, je me battrai jusqu'au bout pour avoir cette victoire, mais je sais que Xavier est un élément très très compétent dans les pronostics. Donc si je gagne, je serai autant fier car j'aurai battu l'un des plus forts, ça il faut l'avouer. Et si je perds, bah, c'est que j'aurais perdu contre eux plus fort. Voilà. Donc, dans tous les cas, voilà. Mais je me battrai quand même jusqu'au bout. Bon, les amis, cette fois-ci, je vous laisse tranquille. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain.